Une nouvelle dans la troupe. Après une année sans diffusion à cause de la crise sanitaire qui s'est abattue en 2020 sur la France et le monde, l'émission Danse avec les stars est enfin de retour. Après 2 ans d'attente, l'émission fait peau neuve. Côté casting, les téléspectateurs découvriront sur le parquet de TF1 Bilal Hassani. Moussa a révélé dans l'émission Koh-Lanta, dite avant TS, le youtubeur Michou. Ou encore la comédienne Aurélie Ponce, notamment connue pour son rôle dans la série Sitôt commence, jeudi 29 juillet 2021. À cette belle liste s'est ajoutée Lucie Lucas, actrice principale de la série Clem, qui a confirmé sa participation au programme. Lors de cette édition 2021, il y aura aussi de la nouveauté dans l'équipe des danseurs et danseuses professionnelles qui accompagnent les stars dans l'émission. Denitsa Ikonomova quitte le parquet et rejoint le jury. Pour la remplacer, Coralie Licata fera ses premiers pas dans l'émission. Selon nos confrères de Télé Loisirs, la danseuse aura un soutien de taille. En effet, son mari, Christophe Licata, est l'un des danseurs stars de l'émission. Présent depuis plusieurs années dans le programme, il n'a pas pour autant confirmé sa présence pour cette édition 2021. Le danseur la considère tout de même comme une concurrente redoutable. Serait-il inquiet d'affronter son épouse dans la compétition, alors que TF1 a publié un premier cliché officiel de la danseuse professionnelle sur son compte Instagram officiel. Jeudi 12 août 2021, Christophe Licata n'a pu s'empêcher de laisser un commentaire. Les plus attentifs auront en effet noté que le danseur a écrit « C'est une danseuse exceptionnelle. Une concurrente redoutable. Point. Mais c'est ma femme », a-t-il déclaré. De quoi pimenter la compétition.